Le spot avec le test du Vanquish 540, voilà, avec le V12 dessus. On a un collègue là-bas au fond du fond, vers l'arbre là-bas, avec l'Equinox 800. Un autre collègue là qui teste aussi un Vanquish 540, enfin 440, moi 540. Et là, j'ai l'autre collègue que j'ai invité, où je fais tester le 340. Voilà. Donc c'est parti. J'ai un petit sauvetage sympa. A été dur de se lever ce matin, pas trop dormi, hein. Deux petites heures. Faut que je m'y fasse, faut que j'arrive à trouver les bons repères. Après, on est sur une parcelle que je connais très bien, sympa, mais avec pas mal de pollution. Ici, on a beaucoup d'alu, donc pour faire des tests, c'est bien et pas bien. Mais bon, on va le faire quand même, hein, pour une première. On sait pas. On sait pas. Qu'est-ce que c'est que donc, cette petite bête? Oh, une petite bizarrerie. En pièce agricole, je sais pas, elle a l'air d'avoir des marques sympas dessus. À voir ce que ça peut être. On va voir. On regardera ça de plus près à la maison. Voilà, on est bien, il fait chaud. Je suis en short. Les copains, ils sont rentrés, eux. Ils ont fait direct petit bouton sympa. Combien? Trois boutons, toi? Une pièce et les boutons? Cool. Bon, ben voilà, hein, c'est parti. Hein, ils ont tous fait des trucs. Moi, j'ai fait deux petits trucs. Une petite monnaie. Là. Qu'est-ce que c'est que donc? Je suis là-dedans. Non. Perdu. Eh oui, c'est aussi ça, hein, la dépollution. 99% de notre passion. Mais bon, faut jouer le jeu, les gars. Faut jouer le jeu. On fait ça pour ça aussi. Donc pour l'instant, pas trop déçu, hein. Bon, après, c'est la première sortie avec les Vanquish, donc faut se faire à l'appareil au son. Mais pour l'instant, je suis content. On verra en fin de matinée. Là, je vois, il n'y a pas trop de connectés. Les gens, ils sont à la sieste encore. Donc, voilà, hein, je vous remonte. Donc, ça, c'est donc 540. Donc, là, c'est le réglage que je lui ai fait. Là, je l'ai mis en pleine puissance. Je l'ai mis sur bijoux. J'ai juste discriminé un peu tout ce qui était métaux, ferraille. Voilà. Donc, il est équipé. Le V12, un petit coucou, merci aux fouilleurs, merci à
à Calibra, merci à la boutique. Et puis je vous reprends dans la matinée les copains, j'essaye de refaire un petit live là, que j'essaye de me concentrer un petit peu sur l'appareil et faire 2-3 tests. Et puis sur le coup des 11h, je leur ai pris un